Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Alors aujourd'hui je n'ai pas pu m'empêcher de commencer le Diamond Painting que je vous ai présenté hier, que j'ai reçu de la boutique FG Normal. Donc j'ai attaqué le chat. Voilà, je trouvais trop beau. Et comme c'est un partiel en diamants spéciaux, ça va aller très vite à faire. Je me suis dit aujourd'hui, je vais le commencer. Voilà. Et donc, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, j'ai fait une petite partie. Voilà. Donc pour le commencer, d'abord j'ai fait comme je fais d'habitude, hein, j'ai passé sous le fer à repasser avant, voilà, pour que ma toile soit bien plate. Donc j'ai pas eu de soucis, hein, au niveau du repassage, hein, comme d'habitude. Comme ça au moins j'avais pas de soucis, la toile était nickel, donc pas de problème. C'était parce que bon, comme les toiles sont enroulées, hein, dans l'emballage, c'est quand même beaucoup mieux de lui donner un petit coup de fer avant. Voilà. Donc, quand vous le faites, c'est sur l'envers, hein, de la toile. Et mettez une serviette éponge ou une pâte mouille, si vous avez des pâtes mouilles. Bon, plus beaucoup de monde a ça, mais bon. Donc, voilà. Donc, elle est nickel à coller, hein, les strass, puisque là ce sont pas des perles mais des strass, ont super bien à faire. Donc là cette fois-ci je l'ai pas fait avec mon stylet sans glu, hein. J'ai voulu essayer le stylet que j'avais eu en cadeau avec la dernière unboxing que je vous avais présenté avec la boutique Éternel, je crois, oui. Donc, je voulais essayer ce stylet. Nickel aussi, voilà. Donc, je vais faire en entier, hein, du coup, cette toile avec ce stylet. Sinon, rien de spécial, hein. Là, je pense qu'il va être très, très joli. Les couleurs sont très belles. Et le rendu commence déjà à être superbe. Voilà. Alors, je vais vous remettre en barre d'infos, comme d'habitude. On ne change pas les bonnes habitudes. Hein. Voilà. Je vous remets le lien de la boutique et le lien du kit. Voilà, comme ça, si vous voulez le retrouver, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Donc comme ça vous arrivez directement sur la page de la boutique FG Normal et sur la page de la boutique directement sur le kit vous avez compris, hein, directement sur le kit et sur la boutique, voilà. je vais vous laisser visionner cette petite vidéo en musique, comme d'habitude. Hein. Donc là, je pense que je vais la faire en... Là, j'ai fait une fois aujourd'hui. Je vais encore refaire une. Ouais, elle sera faite en trois fois. Voilà, je pense qu'en trois parties, elle sera finie. Puisque je vous rappelle, c'est un 40-50 cm. Donc ça va aller assez vite. Oh, je frotte mes mains parce que j'ai froid. J'ai froid. Il pleut. Alors, le temps est complètement bizarre aujourd'hui. On a soit le ciel gris, il pleut, on a le ciel bleu, l'air fait gris, donc il va repleuvoir. Ça ne fait que ça toute la journée. Je suis allée 5 minutes dans mon jardin ce matin. Je me suis dit, il faudrait quand même une journée tranquille pour que je puisse aller faire mon nettoyage avant l'hiver.
J'ai juste pris 5 minutes pour nettoyer mon petit carré aromatique. Voilà. Parce que je ne retrouvais plus la ciboulette et le thym. Avec toute cette pluie qui tombe, les mauvaises herbes poussent plus vite que les légumes. Hein. Et puis, ben, j'ai des choses à enlever, les pieds de tomates qui sont encore. Il y a encore plein de tomates, mais alors elles sont comme ça, vertes. Donc, c'est fini. De toute façon, elles ne pousseront plus, elles ne vont plus rougir. Donc, il faut que j'aille enlever ça. Il faut que j'aille tailler mes framboisiers, nettoyer mes fraisiers, tailler mes rosiers. Qu'est-ce que j'ai encore à faire dans mon. Il faudrait quand même que je passe un petit coup de tondeuse, le dernier de l'année, dans ma pelouse. Et puis, ben, désherber un petit peu à droite à gauche, voilà. Et puis, le jardin, on le laissera comme ça jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Mais bon, on verra là, parce qu'avec la pluie, ça pleut, ça pleut plus, ça pleut, ça pleut plus. Et du coup, il n'y a pas moyen d'aller dans le jardin. Et voilà, mes picailles. Donc, et on verra. Mais bon, mais de pleuvoir comme ça, d'enlever les mauvaises herbes, ça allait tout seul. Hein, par contre, là, c'était nickel. Donc, ce petit carré est déjà fait. Ça a été fait en 5 minutes. Mais bon, maintenant, il faut que je fasse le reste. Il faut que je fasse vraiment le reste. On verra. On verra ça dans la semaine. Si le ciel s'éclaircit une petite heure, enfin une petite heure, non, il faut au moins 2 heures quand même. Pour deux, ouais, deux, trois, 3 heures. Et là, je fais toute seule parce que mon mari, lui, n'y connaît strictement rien en jardin. Bah, il n'est pas de la campagne, hein. C'est un gars de la ville. Donc, il n'a jamais eu de jardin de sa vie. Jamais, 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 jamais. Donc, il n'y connaît strictement rien. une plante avec une mauvaise herbe, il va peut-être me tirer la plante. Donc, non, non, on ne touche pas. Je préfère pas qu'il vienne dans le jardin. Si des fois, il m'aide pour la petite allée, le petit chemin. Là, il désherbe, mais sinon, le reste du jardin, non, il ne touche pas. De toute façon, il ne veut pas, puisque bah, comme il n'y connaît rien, de toute façon, voilà. Il m'a dit, il s'occupe de la cour, de la maison, parce que, comme moi, avec tous mes problèmes de santé, bon, je me fatigue vite. Donc, j'ai un mari en or qui me fait le ménage, qui me fait pas mal de choses, donc. Voilà, donc je ne peux pas tout lui demander, hein. Je ne vais pas lui demander en plus de me faire le jardin. Voilà, c'est lui qui lave la maison, qui tout, donc. Que voulez-vous? Donc voilà, bon, j'ai fini mon blabla. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous laisser visionner. Oui, j'avais un truc à vous dire, mais je ne me rappelle plus. Ça y est, mon petit cerveau de poisson rouge est revenu. Je ne sais plus. Bon, ça y est, ce sera pour la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Donc, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Voilà, suivant l'heure où vous êtes en train de me regarder. Et on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage, à bientôt, bisous bisous!
Thank you.
Thank you.